vous parler d'une, d'une émission. Non, c'est pas une, c'est une série qui sort qui s'appelle Déception. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Zoulou connaît pas mal. J'ai préparé un petit trailer. On va regarder. Let's start with something simple. Pick a card. Point at it. You know what? Reach out and touch the screen. Donc ouais, le thème est plutôt sympathique. Donc j'ai pas vu encore. Ça se trouve, c'est génial. Mais c'est vrai qu'au départ, ça me donne pas très envie parce que les enquêtes, ça me fatigue assez vite. Quoi. C'est du vu et revu, quoi, un peu. Bah, je sais pas. J'irai quand même voir pour être sûr que c'est bien ou pas, quoi. Petite vidéo qui était très sympa sur le thème de l'arnaque de rue qui avait été mise en place pour la sortie de la série The Magicians. The Magicians. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo avait été sortie pour faire la promotion et du coup, elle était vraiment bien foutue, si bien que il y a très peu de gens qui ont réussi à comprendre que c'était pas fait exprès, en fait. Enfin, que c'était fait exprès pour le coup. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. En fait, elle a pas mal tourné. Alors, qui c'est qui veut gagner? Le petit jeu est très facile. Le petit jeu, c'est 50 euros. Allez, mesdames, messieurs, c'est le moment de gagner 50 euros. Ah, si, je l'ai vu. Attention, c'est parti. Tu me dis vite, 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 où est la petite boule? Allez, bravo, t'as perdu, file les 50 euros. Bravo, t'as perdu. Génial, déjà. Une deuxième fois, je te donne une deuxième chance. Non, tu veux pas aller. Qui veut jouer? Qui veut jouer? Là, les filles aussi, elles peuvent jouer. Comme. Le rect, c'est ça? Ouais. Elle est trop forte. Donc la fille qui est là, la magicienne s'appelle Caroline Marx. Vous l'avez peut-être déjà vue sur des plateaux télé parce que. Allez, c'est facile, Caroline. Vas-y, Caroline. Allez, perdu, donne tes 50 euros. Allez, Caroline. Dis, Caroline, reste ici. Tu restes ici. On le refait. 50 euros. Je te donne une deuxième chance. Je suis gentil. Regarde, je le refais. La petite boulette ici. T'es prête, Caroline? Attention, c'est parti. Dis-moi. Allez, encore perdu. Bon, allez, donne-moi l'argent. Bouge. Allez, 50 c'est euros. C'est dommage, j'étais prête à rejouer, regarde. Allez, 50 euros. Allez, 50 euros pour gagner 50 euros. Tu préfères avec 100 euros peut-être, non? Toujours pas chaud avec 100 euros. Ah, je sais, tu préfères 500 et 200 euros, c'est ça? Je te donne le billet de 500, d'accord? Je suis généreuse, vas-y, prends-le. Fais-toi plaisir. Ça va, Francky? Comment tu sais mon nom là? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que t'as avec toi? J'ai ta carte d'identité, c'est marqué dessus, Francky. Doucement. Non, attends. C'est de l'humour, attendez, je plaisante doucement. Ça va. Juste, je te rends la carte, ok? J'ai repris le 500 euros. Tu veux quoi, toi? Lâche-moi! Toujours plus, hein. Donc, mais ça, ça s'est vraiment passé? Ouais! Genre, le mec le plus crédule au monde! Mais c'est vraiment vrai! Mais comment elle on est l'a trop fait? Comment ils ont fait pour flouter les visages si bien? Non, c'est le mec, il a un visage flou de base. Bon. Non, en vrai, oui, j'avais déjà vu, c'était un teaser. Mais c'était trop, too much. Bah, genre, complètement, on est d'accord. La vidéo est sympa, mais pas de là à se dire, ah ouais, ça va les gars. C'est vrai quoi. Enfin bon, bref. Bon voilà, en tout cas, la vidéo était sympa. J'ai fait le tour de mes chroniques. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. I get strung up from her loving. I wish she'd care to see, but she only cares when she's so